Et dans le processus dont j'ai parlé, ces dissidents dont il est question ont participé du début à la fin. Aujourd'hui, c'est une minorité. Il y a qu'un seul responsable parmi tous ceux qui ont parlé, parmi ces trois. Madame Fatou Diop est la seule responsable communale à qui on peut accepter une responsabilité. Mamoudou Mboye s'attaque d'une responsabilité, d'une structure des cadres inexistante ici à Saint-Louis, qui n'existe pas, qui n'a jamais fonctionné. Ceci dit, aujourd'hui, le Parti Réunis ne peut pas se permettre de s'infoyer avec un quelconque parti politique. Ils m'ont demandé, à la fin du processus que nous avons initié, ils m'ont demandé, dans le cadre d'une assemblée générale d'information, qu'eux ont créé de toutes pièces, parce que moi, j'étais préparé à rien. Au lendemain de notre élection, ils nous ont dit, bon, est-ce qu'on peut informer les militants? J'ai dit, quand cela le tienne, appelez-les où vous voulez. Ils m'ont dit, n'est-ce pas jeune? J'ai dit, on paye, on vient demain. Alors, dites, moi, je suis venu, donc, dans toute bonne foi, et naturellement, avec les responsables qui sont là, et nous sommes venus les informer, donc, de la situation. Et voilà que Mamoudou Mboye et d'autres, la responsable des femmes, ont commencé à dire, oui, en tout cas, celui qui a été élu, en l'occurrence Bamba Dié, nous ne voterons pas pour lui. J'ai dit, mais vous êtes en état. Vous ne pouvez pas appeler des partis politiques. Vous n'avez aucun respect pour ces gens. Vous appelez tous les partis politiques. Ils viennent. Vous êtes dans une dynamique. Vous allez jusqu'au vote, jusqu'au bout du processus. Et maintenant, vous me demandez à ce que moi, je le dise, voilà, ce dont vous étiez appelé n'a aucun sens. Maintenant qu'on a pris Bamba Dié, j'ai dit, vous ne ferez rien. Il a été question de dire que je suis seul dans tout ça. C'est pourquoi, dès que je l'ai su hier, j'ai appelé tous les responsables qui sont là. Moi, je suis ici accompagné de la responsable départementale des femmes, Mam Diarra Diène, qui est là, devant vous. La responsable de la jeunesse féminine, Khalissa. Le responsable des jeunes, Madi, qui est là. Le responsable communal, Mamoudou Sarr. Alors, tous ces gens sont là. Alors, des anonymes ne peuvent pas m'emmener justement à aller dans une dynamique qui n'a aucun sens. Aujourd'hui, nous avons mis en place une coalition qui fait peur même à la coalition du pouvoir. Alors, ces gens que j'appelle d'ailleurs les militants alimentaires, parce que ça je le dis de manière claire, parce qu'il y a des choses que nous avons gardées pendant longtemps, mais que nous ne pouvons plus taire. Mamoudou Mboye donne les questions. Entre les deux tours des élections, alors que le parti avait donné comme consigne de vote d'aller pour Macky, et ça c'était pour sauvegarder notre parole donnée, lui il est à contre-courant, elle il est allé trouver Awa Ndiaye pour aller voter pour le PDS. Donc ce sont des gens coutumiers des faits qui ne peuvent pas nous amener, nous, la vraie, frange réelle du parti Réunis, à les suivre dans une dynamique suicidaire. Eux qui ont pris justement le parti de la corruption et de je ne sais pas comment encore, je les laisse faire, tout simplement.